me souviens que la première messe qu'on a chantée à une gang de jeunes, là, j'avais 13 ans, je pense, une messe en grégorien. C'est une de nos vieilles tantes ici qui nous faisait l'enseignement du grégorien de ce temps-là, qu'on a, je dirais, amélioré après ça quand on a eu des cours ici dans la région qui étaient donnés par un professeur de l'Université Laval. Là. Et je me souviens aussi que ça était devenu assez facile, le grégorien, mais rendu en 1964, on a commencé à parler du chant en langue vivante, de la liturgie en langue vivante. Mais il fallait que le chant en vienne là aussi, là, en langue. C'était notre langue, si tu veux, en français. Puis là, je me souviens que la première messe qui a été chantée en français, c'était, j'étais présent, j'étais au lac Bouffette. C'est la première messe qui a eu lieu en français en Amérique du Nord, avec une permission spéciale de Mgr Paris, qui était évêque de Chicoutimi dans le temps. Ça, je vais m'en rappeler longtemps, ça fait des fois plus que 40 ans que je m'en rappelle encore. Puis cette messe-là qui a été chantée là, jamais été rechantée, pas ma connaissance, à nulle part. Ils avaient enregistré ça, puis ça n'avait pas trop bien réussi, ça fait qu'ils ont laissé tomber ça. Il y avait des compositeurs en masse, ça fait qu'ils ont continué avec ce qui revenait en arrière. Ensuite, on a eu les premiers chants en langue vivante en 65, je pense. Et j'ai chanté les messes aussi pendant 9 ans, les messes du matin, là, c'était en latin à ce temps-là. Les gens de la moyenne, ça ne les dérangeait pas, les autres. C'est les vieux chants que ça dérangeait. Les autres, c'était tout du chinois, là, pour commencer. La langue, c'est correct, mais la musique, c'était plus la même chose. Figure-toi, est rendu à 37, 38, 40 ans, tu recommences, tu laisses ça de côté, puis tu recommences avec une musique complètement différente. Faut que tu l'apprennes, ta musique-là. Elle n'est pas rentrée. Ça prend déjà du temps de l'apprendre quand quelqu'un est jeune, mais nous, quand tu es plus vieux, c'est pas si facile que ça. C'est en 1900, le 19 février 1929 qu'elle a brûlé. Puis un lundi, j'étais à l'étable avec mon père. J'ai aidé à faire le besogne, tu savais. Les animaux, c'était pas comme aujourd'hui, là. Il n'y avait pas de bol là, pour boire, là, tu sais, il fallait remplir les eaux. On avait l'eau courante, nous autres, jusqu'à une tonne de sirop, là, des anciennes tonnes, vous vous rappelez de ça, c'était coupé en deux. Là. Mais, l'été, là, la fontaine, l'eau venait au naturel, qu'on va dire. Là. C'est ça, par gravité. Par gravité, justement. C'est ça que je cherchais, là. Et puis, l'hiver, on avait une pompe, il fallait pomper pour... Puis là, j'emplissais les eaux, puis pendant... Puis je gardais des lapins dans une crèche de vaches, là, moi. Puis il y avait... La mère avait une portée de lapins, puis il faisait noir. Puis on éclairait au fanal, on n'avait pas l'électricité. Ça fait... Puis pendant que je cherchais, à un moment donné, les petits lapins, là, il est venu un éclair, monsieur. Puis là, je les ai vus, les lapins, là, dans la crèche, là. Et puis là, avec un coup de tonnerre, là, c'était vers 5 heures, ça. Tout un autre. Ben là, on s'est emmené à la maison, moi et mon père, là. Puis là, le coup de tonnerre, comme on rentrait dans la maison, il est venu, là. Puis on éclairait à lampe à l'huile aussi. Le globe de la lampe, elle a sauté sur le. Sur la lampe, sur la table. Ça fait que ça avait été dur. Hein. Ça fait que là, tu sais, mes soeurs avaient fait le souper, là, puis on a soupé. Après souper, j'ai sorti dehors. À un moment donné, puis là, il ventait, puis il neigeait. Il ventait fort. Il m'est venu une clarté. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'ai rentré dans la maison, j'ai dit à mon père, j'ai dit, il y a du feu quelque part. J'ai dit, il fait clair tout d'un coup. Puis il faisait une tempête de neige. Puis il était une neige collante, vous savez. Ça venait du sud-ouest. Là. Mon père, on a regardé par le châssis, puis le clocher de l'église était en feu. Puis passait un nuage d'étincelles à l'arrière de la maison, puis allait jusqu'au bout du lac. Puis comme de fait, c'était bien ça, l'église a brûlé. Là, puis... Le 29 février 1919. Ça a tout brûlé. Ça a tout brûlé. Ben, c'était le monsieur Duré Gagnon. On fait venir les loges. On a des assemblées, on discute à faire. Mais monsieur le Gagnon, faut pas que ça dépasse le montant. Il avait ramassé l'argent. L'Église, mais que ça y finisse, que ça y paye. Il y avait un monsieur Saint-Hilaire que je connaissais, qui était un peu de la parenté de ma famille adoptive, qui était un
disait des plans et des vies, tu sais. Fait que je suis ingénieur, je le rencontre. Puis je parle, tu sais, je vais te faire un plan. Il me fait un plan. Ça marche bien, mon ami. Il fait un plan de vie, puis ça coûtait à peu près 75 à 90 000 piastres pour la construire. Mais là, ça se décide, tu sais, la construction de l'église. On finit par construire l'église. Et puis là, il y avait eu des... Qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans? Là? Il y a eu bien des choses, d'opposition à ça. Mais en tout cas, on a construit l'église, puis quand tu as eu fini de construire, elle était payée. M. Turé avait insisté là-dessus, l'église était payée. On avait une belle petite église. Ah, il y avait des rencontres avec Monseigneur, excusez-moi. Il y avait la rencontre avec Monseigneur, lui, il voulait passer par Monseigneur, puis demander la permission à Monseigneur. Il voulait lui demander la permission pour bâtir une église. Pas de permission, il n'avait pas le droit de bâtir une église. C'est moi qui voyageais de chez nous à l'évêché. Je me rappelle, on montait l'escalier, on arrivait au bureau, Monseigneur, puis on sonnait pour rentrer. Puis j'y avais été. La première fois, ça n'a pas marché. Ils disent Saint-Noël, blablabla. J'ai été obligé de revenir puis dire mes mardis. Monseigneur n'a pas voulu signer. Ça fait que j'ai dit, c'est Saint-Hilaire qui a fait le plein de vie. Ils m'ont les mardis, tout en discutant, c'était des gars bons, ils ont dit. Voyons avec quel gars, voyez pas ça, voyez quel gars qui a bâti, qui a fait plein de vie. Homme de ville, alors pas encore, arrête à Luzville, il était à Luzville, ce gars-là. Je me rends à Rimouski voir Monseigneur. Puis là, M. Duré m'a dit, non, c'est Saint-Hilaire, il m'a dit. Il a dit, là, ça change de bête, Monseigneur Parent, qui prend de l'air. Il dit, on va aller à Monseigneur Parent. Il dit, Monseigneur Lebeille, il se met à dire non, ça va être non tout le temps. Je sonne à la porte, puis il a dit, fais de l'air. Fait comme de fait, c'est moi qui étais en avant, Saint-Hilaire en ordre. Sonne la porte. En sonnant la porte ouvre. Monseigneur Lévesque est devant. Ah, les gens de Saint-Noël, bon, les gens de Saint-Noël. Ah, il y a des questions encore dans votre église. Passez au bureau. Ah, ça, c'était un beau plan. Prends ta plume, signe ton autorisation. Le monde n'avait plus ses églises quand il y avait de la misère à plein. Je ne sais pas si ça t'a déjà été dit. Quand tout le monde avait du trouble à plein, il y avait l'église, il y avait ce lieu de rassemblement. C'était le lieu où tout le monde se croisait les coudes, si tu veux, se collait les coudes, si tu veux. Puis à mesure qu'on était capable d'être indépendant de l'autre, ils se délaissent, ils se séparent. Parce que c'est le lieu de rassemblement, l'église. Puis là, ben, ils n'ont plus besoin de l'autre, ils n'y vont pas. Ils n'ont pas besoin de rencontrer l'autre. Ça me donne cette impression-là. Ben là, tant qu'on va être une petite gang, je vais être capable de le maintenir. Elle va tenir. Après, je me demande bien ce qu'ils en feront. Mais je peux te dire que ça a été beau aussi avec des 5 cents puis des 10 cents. Puis nous autres, on a eu ça pas mal plus, puis on n'est pas capable de nous reçoit. Tu sais, il n'y a plus une grosse gang qui nous reçoit. Mais c'est pas... Je suis certain que si on s'en exprès, même ceux qui ne vont pas l'église nous aideraient. Ils nous aideraient à en avoir soin. C'est parce qu'on s'en occupe pas assez. Je connais bien du monde, ils ne vont pas l'église. Si vous me donner 100$ pour chauffer l'église, si vous ne s'estimeraient pas, ils me le donneraient. Parce que dès le moment, là, on est réduit là, à un prêtre pour 6 paroisses. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui assiste à la messe, là, ben c'est autant aussi que les caisses sont de plus en plus petites. Hein. Puis au prix que le chauffeur est pour chauffer les églises, tantôt ça va rentrer en dessous. C'est déjà commencé un peu à des paroisses au-dessus. Là, que, sur une fois, les paroisses avaient un peu d'avance. Au ballon, il y avait des fois des paroissiens qui passaient de l'argent à la fabrique, qui ne nous rapportaient pas à nous autres, mais la fabrique déposait ces gens-là à banque, puis ils retiraient les intérêts. Fait que ça, sur sa quantité de monde, c'est une personne âgée qui mettait de l'argent là pour au profit de la fabrique, par exemple, là, pour attirer les intérêts. Mais ça faisait un revenu à fabrique, ça. Puis là, ben, de plus en plus, là, il y en a moins de ça. Là, hein. Puis comme il y a moins de monde qui allait à la messe, ben, ça va finir que. Je sais pas, ça va finir. Je veux venir ça. Ouais, et je dis que ça va remplir en cours de jour en jour, ou d'année en année plutôt, là. Parce que ça sort avec critique, je fais un peu, là.
Il y avait M. le curé Michaud. M. le curé Michaud, lui, nous autres, notre bain était juste où tu, la prêche, c'était, tu ramais sur la chair, t'appelles, montait dans la chair. Mais, dans ce temps-là, la danse était défendue. Ah, défendue. C'est là qu'il dansait, allait au fond des enfers. Il n'y avait pas de pardon. Toujours, il y avait une demoiselle Morin, de Valbriand, qui avait écrit à Monseigneur une petite lettre. Est-ce que c'est péché, Monseigneur, quand on ne fait pas de mal? Envoyez ça à Monseigneur, je reparage. Ou Monseigneur Courchaine. Monseigneur Courchaine, là, faut pas que je me trompe. Et puis, Monseigneur Courchaine a pris la lettre, puis il l'a envoyé à M. Curé Michaud. M. Curé monte en chair, je me rappelle, j'étais dessus. Il monte en chair. Puis il a dit aux paroissiens, gardez les paroissiens, une lettre. Cette lettre qui a écrit ça est dans l'église, au milieu, je la vois là. Et je vais vous lire la lettre. Monseigneur, l'évêque, est-ce que c'est parent, Monseigneur, est-ce que c'est péché, Monseigneur, quand on danse, on ne savait pas de mal. Monsieur le curé, jette un coup de poing sur la table, oui, c'est péché, au fond des enfers. C'est un peu l'histoire. Que je vais vous conter de M. Thuré, mais il était malin, mais c'était un bon prêtre. Oh, c'était un bon prêtre, mais il allait en Floride, présent, en hiver, petit voyage, oui. Mais je permettais, c'est un petit voyage. Les gens pauvres disputaient un peu, ils voyaient la richesse un peu trop forte dans la religion. J'attendais ma renard, c'était des choses qui se passaient dans ce temps-là. Bon. Quand je me suis marié d'abord, Curé Michaud, j'étais rendu à la porte. Il avait tout rempli les formulaires. Puis il dit, hey, tu rouges, c'est vrai, il dit que c'est ton nom. Parce qu'il était. Il savait pas mon nom. Tout le monde m'appelait Tirou. Puis quand il m'a annoncé en chair ben, pour notre mariage, c'est à mon côté, il a dit, oh, tu rouges, tu sais. Mais pas nous autres, on craignait, on s'en allait sur le trottoir, puis M. Curé Michaud s'en allait sa graine, puis je voulais éclairer le trottoir. C'est lui qui passait. Puis il faudrait pas que je parle trop en mal de lui, parce qu'il est mort ici. C'était à lui, la bâtisse. Puis il est mort ici, alors. Mais c'était un bon prêtre. C'était un orgueilleux. Puis un gars était bien fier, mais il a fait quelque chose de bien à Valbriand. Il était au-dessus de 40 ans. Ouais. Ah, là, on va arriver à ça, puis là, il disait ça ce soir, là. Il y a un curé de telle paroisse, il est arrivé. Et puis là, il va célébrer une messe, puis il faisait un sermon, moi, qu'on rappelle tout ça, là. Puis là, il passait la quête, là, puis là, ils vont être généreux pas mal, hein. Puis là, beaucoup de monde n'avait pas d'argent chez eux autres, pas tout. Hein. Sans là, les 5 piastres, les 10 piastres, là, les gars n'avaient pas ça chez eux de même. Hein. Fait que là, c'est arrangé avec le commis. Puis, les ceux qui voulaient donner, mettons, 2 piastres, 5 piastres, ça dépendait, là. Il prenait ça sur son temps qu'il avait fait en ouvrage, là. Fait qu'il repartait avec un montant d'argent là, donné par Pierre-Jean Haut, comme on dit des fois, là. C'était bien le fun. C'est le monde avait tout ça. Puis, de ce temps-là, le monde était tout pratiquant, bon, hein. Puis le soir, ben, dans tout ça, tu vois, à peu près, tous les soirs, là, il passait un homme au camp, tu vois, le foreman ou le jobber, puis pour rester un chapelet, tout le monde se mettait à genoux, puis ça restait un chapelet, tout ça, puis c'était le bon temps, on peut dire. Je pourrais jamais regretter ça dans ma vie, puis c'est pareil pour tout le monde, à peu près, hein. Parce que là, c'est moderne, mais c'est pris pas non plus. Fait que telle année qui a été abolie, quand même. Ça, ben en fait, ça a été aboli entre les années 65 et 70. Ah, pour moi, il y avait quelqu'un, vous l'avez dit. 63, 64, là. Vous vous contrariez un petit peu, mais pas beaucoup. Dans le temps du carême, je vendais du poisson l'hiver. Moi. Ah, ben oui. Ça du potin, puis ça marchait, mon affaire. Il y avait une ligne de snowmobile, c'est pas français, mais en tout cas, de la Rédemption, les brochures de la Rédemption avaient une ligne de snow qui allait jusqu'à Matane. Ils passaient à ma porte, moi, au coin de la route de Sainte-Paul, là. Puis je leur donnais ma commande de poisson le matin. Puis ils allaient chez les pêcheurs unis à Matane chercher du poisson. Puis le soir, ils me débarquaient, mon poisson.
Puis il y avait des semaines de 300 puis 350 piastres de poisson. Puis je vendais du steak de flétan 55 cents la livre dans ce temps-là, du steak de flétan, puis du saumon 50 cents la livre. Puis j'achetais en plus 10 à 12 barils de turbo par année chez J.O. Burbet, un m'coui, chez Bégin Saint-Noël, puis je l'achetais ici. Et puis je vendais tout ça. J'en vendais du poisson, monsieur. Mon affaire était belle. Là, mon commerce était bon. Puis quand le carême, c'est le pape Jean 23 qui a aboli le carême. Quand il a aboli le carême, les commandes ont tombé à 20, 25, 30 piastres. Le profit n'est pas fort sur 20, 25, 30 piastres. Ça fait que là, j'ai tombé. J'ai jamais eu l'heure de... J'ai tombé au neutre, qu'on va dire, vous savez. C'était mon commerce, ça. C'était mon gagne-pain. J'ai perdu mon gagne-pain. Mais je n'ai pas arrêté dans la messe, par exemple, pour ça. Le plus beau souvenir, c'est le dernier frère Omer Louis. Ouais. Il est arrivé, puis on se fait d'année, puis il nous a dit qu'on va faire un petit feu. Il a tout emmené les straps, puis tout ce qu'il y avait, que les autres frères nous martyrisaient, puis on a brûlé ça. Nous autres, on allait à la messe de minuit, tout le monde y allait, là. Ben, maman, elle restait à la maison, il fallait qu'elle prépare les potées, puis ça, ça faisait pas un mois d'avance comme c'était. Puis on embarquait, papa avait une grande sleigh, on faisait ça le bourreau, nous autres, là. Puis les chevaux avaient des cloches, là. Puis nous autres, on était assis dans la boîte en arrière, avec une carriole, on se laissait traîner les pieds, là. Ça avait des fun dans ça. Là, on venait à la messe, on tombait endormi, nous réveillait quand c'était le temps de s'en aller. Mais ça, j'ai toujours pensé à ça. Mais c'est plus comme avant tout, c'était la moitié qui vient pas à la messe. Puis, je sais pas, c'était l'ambiance que ça donnait. C'était partir à 11h30, durant 9, en voiture. Hein. Puis t'es arrivé à l'église dans ce temps-là, c'était la petite église à côté, c'était pas cette église-là. Là. Arrivé à l'église, là, il y avait beaucoup de chevaux attachés. Frère Galerie, là, puis ça avait toutes des grosses sonnettes. Là. Puis ça, là, j'oublierai jamais ça, je pense. On est vers les années 50, en tout cas. On avait un vicaire qui était ici, l'abbé Langlois, puis... On parlait de faire des mouvements pour les jeunes, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit les scouts, ça vous intéresserait pas, puis tout ça. Fait que là, mais naturellement, on avait entendu parler, mais j'étais pas engagé énormément dans cette chose-là. Alors, on a fait venir des livres, on a mis à étudier ça, puis on a fondé le mouvement. On a commencé par les Louveteaux, ensuite, on est venu au scout, puis ensuite les guides ont parti les filles, du côté des filles. On avait organisé un voyage pour inviter au Jamboree à Montréal. Ouais. Alors, c'était une réunion de tous les scouts du Canada, en fait. Je ne sais pas si c'était international, mais en tout cas. Puis nous autres, naturellement, quand on est arrivé là, on était toutes bien costumées, c'était toutes nues, nos affaires, on venait de fonder la troupe et tout ça. Ça fait que les gars, les chefs scouts, là, quand ils ont vu qu'on était si bien habillés que ça, puis tout ça, ils ont dit qu'ils allaient venir servir les tables, puis tout ça, ça fait qu'on va servir les tables. Vous avez accompagné des prêtres dans l'exercice de leur fonction? Oui, dans les presbytères. Nous allions dans les presbytères. Pouvez-vous nous raconter un peu comment, quel prêtre vous avez accompagné? Comment ça se déroulait? Un curé de paroisse, par exemple, demandait le service d'une ou deux religieuses, surtout de quelquefois plus, selon la grosseur de la maison, et puis pour faire la cuisine, puis l'entretien. Et puis le soin des vêtements des prêtres, puis de la sacristie à l'église. C'est ce qu'on faisait dans les presbytères. On va parler un peu du curé Bouillon. Oui, je le connaissais surtout de nom avant de venir au couvent. Un curé fondateur, il a fondé
la paroisse. Il a fondé ensuite la congrégation. Et puis, un gros travailleur, puis qui était adoré de ses paroissiens. Parlons un peu de la mère fondatrice, Sœur Ouellette. Oui. Elle a fondé ici en 1929. J'étais assez jeune dans le temps. Je la voyais à l'église, le vent n'était pas loin d'une autre. Et puis, elle avait une réputation excellente. Elle était très estimée dans la paroisse. Et puis, j'ai deux de mes sœurs qui étaient venues au noviciat ici, 2 ans avant moi. Et alors, j'étais venue les voir. Puis là, j'avais rencontré la mère fondatrice. Elle m'avait conquise. Dès cette première rencontre, je me suis dit, j'irai moi aussi. Je n'allais pas parler chez nous. Parce que j'étais supposée faire un beau mariage, puis avoir une grande famille. Maman faisait des rêves. Et puis, hélas, je suis enterrée au couvent, puis je ne l'ai jamais regretté. Quel beau souvenir vous gardez de Sœur Ouellette? Oh. Un souvenir de vénération, d'affection. Elle nous aimait tellement. Puis, une personne qui était austère, en même temps qui était très douce, elle donnait des conseils. Puis, ses petites réprimandes, c'était tellement doux que ça se prenait comme du bon pain. oui, elle était une formatrice. Ah oui. Cette évolution-là, depuis 30, 40, 50 années, comment vous l'avez vécue ici au sein de la communauté? Bien, nécessairement, on s'en est ressenti comme tout le monde, mais on tient bon. Parce qu'on a la foi, et puis le Seigneur est avec nous. Et puis on l'a toujours eu. D'excellentes supérieures, puis de bons aumôniers, de saints prêtres qui ont soutenu la communauté. Et puis, disons qu'il a fallu modifier des choses, enlever certaines austérités qui étaient moins nécessaires, et puis pour s'adapter aux personnes, pas demander trop. Mais tout de même, on a toujours maintenu une bonne ferveur. Oui, soutenu à travers les années. Vous parlez peut-être un peu comment l'idée en est venue à faire un petit musée ici. Bien, ça, c'est l'histoire, disons, nos fondateurs nous ont beaucoup apporté au point de vue histoire de leur vie et puis de ce qu'ils ont, la façon qu'ils ont construit la communauté. Alors tout ça, c'est précieux, puis c'est beau, on a ça plein le cœur. Puis on s'imagine que toutes les générations à venir vont s'en souvenir. C'est pas ça qui arrive. Alors il faut garder ça, il faut écrire ça quelque part. Et puis c'était la façon d'écrire l'histoire que de bâtir ce mémorial qu'on a beaucoup de souvenirs des fondateurs et puis qui sont allés en Terre Sainte et puis à Rome, tout ça. Beaucoup de souvenirs de leur voyage, de belles choses religieuses qui attachent vraiment notre histoire. Et puis qui vont demeurer parce qu'on les a fixés dans un mémorial. Tandis que si on les avait laissés libres, comme ça, nous autres en disparaissant, d'autres ne le sauraient pas.